Salut à tous, bienvenue dans la cuisine de Sam, je suis ravi de vous retrouver. Alors, comme convenu hein, et comme promis, hein, je vais vous présenter aujourd'hui un dessert que j'ai baptisé l'Harmonie. Et c'est un dessert que j'ai créé pendant la période de confinement. Alors, c'est ce que je disais, on est souvent en train de faire la recette de quelqu'un, d'un livre de cuisine, que ce soit sur Internet ou un ami qui vous a transmis une recette. Mais il est toujours plus difficile de créer sa propre recette. Et généralement, c'est un mélange de plusieurs recettes en ajoutant des ingrédients, en les retirant. Mais c'est là où c'est complexe. C'est qu'on est un petit peu comme si on était dans un laboratoire de chimie. On n'a pas trop le droit à l'erreur quand même. Il faut vraiment trouver le bon amalgame, la bonne harmonie des aliments. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce dessert l'harmonie. Deux ingrédients principaux pour ce dessert. Tout d'abord, la base qui est un financier dans le dessert. Donc le financier, c'est un petit gâteau à base de poudre d'amande. Alors que vous pouvez trouver dans le commerce, hein. Donc là ça serait la version la plus rapide du dessert, mais maintenant vous commencez à me connaître, le financier on va le réaliser nous-mêmes, parce que c'est très simple à faire, c'est pas très très long, et c'est quand même nettement meilleur. Donc ça c'est la première base, et la seconde base c'est le fruit, la mirabelle. Alors la mirabelle, pendant le confinement, c'était pas du tout la saison, donc j'ai travaillé avec des conserves de mirabelle, mais c'est quand même autre chose quand on a la chance d'avoir l'arbre qui est derrière moi, sur lequel pousse, ça tombe bien, des mirabelles. Et là, on est en pleine saison, donc là, on va se faire un dessert vraiment délicieux, à base de financier, de mirabelles. Il y a d'autres choses, mais ça, je vous le laisse découvrir dans quelques instants, dans la cuisine. Et là, tout de suite. Allez, c'est parti pour le dessert du jour. Alors, les financiers. Alors, les financiers, vous savez, c'est un petit gâteau qu'on peut utiliser vraiment avant toute occasion, pour les enfants, aux 4 heures, ça, ils aiment bien, ça passe très bien. Ou alors, quand vous recevez du monde à la maison, à la fin, avec le petit café, on fait un petit café gourmand avec un petit financier à côté, une petite boule de glace, c'est super sympa. En plus, l'avantage du financier, c'est que vous pouvez le faire sous différentes formes, suivant les moules que vous avez. Vous pouvez faire des rectangulaires, des ronds assez ronds. Là, aujourd'hui, pour mon dessert, il me fallait des petits modèles, donc j'ai pris un moule en silicone comme celui-ci, et ça va très bien se passer. Alors, au niveau des ingrédients, c'est parti. On a 125 g de sucre glace, 125 g de poudre d'amande, 100 g de beurre, 50 g de farine, 5 blancs d'œufs, uniquement les blancs, un citron, parce qu'on met un petit peu de citron. Ça, c'est pour la partie financière, qu'on va faire dans quelques instants. Ensuite, les mirabelles. Donc là, c'est suivant la quantité que vous voulez mettre. Là, j'en ai fait quelques-unes, hein, celles qui étaient les plus mûres sur l'arbre. 250 g de mascarpone. Ici, nous avons l'équivalent de 25 centilitres de crème fleurette, 30% de matière grasse. Alors 30%, il faut prendre la plus riche possible. C'est pour avoir quelque chose de beaucoup plus onctueux. Un petit peu de beurre, 3 œufs, 100 g de sucre, un petit peu d'amande effilée, ça c'est pour la déco à la fin. Et enfin, de la confiture d'abricot. Alors ça, c'est de la confiture d'abricot maison. Voilà, donc elle est un petit peu plus liquide que celle qu'on retrouve dans le commerce. Je vous expliquerai tout à l'heure la petite astuce, parce que celle du commerce est un peu plus compacte, il va falloir la liquifier davantage pour pouvoir faire notre dessert. Voilà, bon bah c'est parti pour le financier. Alors vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Vous prenez une casserole, on va faire fondre notre beurre. Alors attention, il ne faut pas qu'il soit... Faut pas qu'il prenne une couleur brune, hein. Faut vraiment que ce soit un beurre noisette, hein. D'accord, donc la couleur noisette, hein. Donc on met ça dans une casserole, on va faire fondre tranquillement, et pendant ce temps là on va préparer le reste, à savoir on va mettre dans notre récipient les ingrédients, c'est à dire le sucre glace, donc les 125 g, je rappelle, 125 g de poudre d'amande, 50 g de farine comme ceci, et là on va pouvoir mélanger ceci. Donc pendant ce temps là le beurre va fondre, et une autre opération en parallèle, nos blancs d'œufs. Alors on va pas les monter en neige, on va juste prendre un fouet et manuellement on va venir mélanger pour obtenir un blanc mousseux, on va dire, d'accord. Donc c'est pas du blanc neige, c'est mousseux. Voilà, alors là je vais mettre à fond mon beurre, sinon ça risque pas de marcher. Et puis on se retrouve dans quelques instants. Allez, à tout de suite. Voilà, donc maintenant le beurre est fondu, on l'a retiré de la casserole, je l'ai mis dans un petit récipient. On attend qu'il tiédisse, ce qui est le cas.
Là, je suis en train de terminer les blancs. Alors mousseux, vous avez vu, c'est pas en neige, hein, c'est vraiment un blanc mousseux. Donc là, on va venir ajouter dans un premier temps notre beurre à notre préparation de tout à l'heure, farine, sucre glace, poudre d'amande, comme ceci. On vient y mettre tout de suite un peu de jus de citron. On mélange une première fois. Voilà. Et maintenant, on vient rajouter nos blancs d'œufs. Et on finit de mélanger. Et voilà, notre pâte à financier est terminée. Alors vous voyez, c'est un dessert qui se fait vraiment un dessert, un goûter, on l'appelle comme on veut. Mais ça se fait vraiment très très vite. Pendant ce temps-là, on a fait préchauffer le four à 200 degrés, thermostat 7. On va mettre notre préparation dans nos moules, suivant la forme que l'on a choisie. Et on va laisser cuire pendant 15 à 20 minutes. Alors tout dépend de la grosseur. Moi, personnellement, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est des tout petits. 15 minutes, ça sera largement suffisant. Vous surveillez bien la cuisson, hein, parce que ça peut vite dorer. Il faut juste que ça ait une belle couleur colorée. Et puis là, on sera bien. Voilà, donc là, je vais mettre dans les moules, je vais au four. Et je vous retrouve tout de suite pour la suite du dessert. Allez, à tout de suite. Voilà, nos petits financiers sont prêts. Vous voyez, c'est pas compliqué à faire. Donc là, j'en ai fait deux sortes. Vous avez vu mon petit mou tout à l'heure qui donne ceci. Donc ça, c'est très bien pour la fin d'un repas avec un café, avec un thé, suivant ce que les gens prennent. Ça, c'est très très bien, c'est très apprécié. Et puis là, pour le dessert d'aujourd'hui, que je vais présenter dans des verrines XL, on va dire, parce qu'une verrine, c'est vraiment petit, donc là, dans un récipient comme celui-ci. J'ai pris un moule qui était, vous voyez, un petit peu plus gros, un petit peu plus épais. Et on va voir ça juste après. Pendant ce temps, j'ai dénoyauté mes mirabelles. Alors qu'est-ce qu'on va en faire? On va les mettre dans une poêle avec une noisette de beurre fondue. Et on va venir faire ce qu'on appelle compoter nos fruits. Donc on ne veut pas avoir une purée, on ne veut pas avoir une compote comme le nom l'indique, mais juste avoir un fruit qui est bien, bien tendre, qui va révéler toute sa saveur. Donc ça, on va mettre à la poêle. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait trois œufs. Donc là, j'ai mes trois œufs que j'ai mis dans mon couscous, que je vais battre en omelette. Et à nos œufs, on va venir rajouter nos 250 g de mascarpone. Et là, on va battre cette préparation jusqu'à obtention d'une crème liquide et onctueuse à la fois. Vous voyez ce qu'on obtient, si vous voyez bien. Voilà, quelque chose de très onctueux. Cette préparation, on va la mettre au frais, le temps de faire notre dernière étape. Dernière étape qui consiste à faire, alors, non pas une chantilly, mais c'est à monter notre crème fleurette avec un petit peu de sucre. Alors, je vous explique. Vous allez utiliser un récipient bien frais. Alors, idéalement, vous pouvez prendre un récipient de ce type-là, par exemple, que vous mettez dans votre congélateur pour qu'il soit bien frais. Voilà, ça, c'est vraiment l'idéal. Vous mettez également, quelques instants, votre crème liquide. Bon, je vous rappelle, hein, il y avait 25 centilitres. Votre crème liquide, 30% de matière grasse, également au congélateur. Pas trop longtemps, sinon elle va durcir, mais pour qu'elle soit bien fraîche. Le réfrigérateur, c'est pas assez. Je conseille plutôt le congélateur. Si vous faites ça avec un fouet, mettez également les lames de votre fouet, si elles se démontent bien sûr, ne mettez pas le fouet au congélateur, les lames de votre fouet, vous les mettez également dans le congélateur. Il faut un maximum de choses froides, voilà, pour obtenir quelque chose, alors c'est pas une chantilly, mais qui va monter un petit peu en crème. Alors, soit au fouet, soit au robot, vous pouvez le faire au robot également, donc là le robot évidemment, là vous pouvez pas le mettre au frais, mais donc on va laisser un petit peu plus longtemps la crème liquide dans le congélateur. Moi je vais le faire avec mon robot, donc là l'avantage c'est qu'on a une cuve
qui se démonte en inox. Donc ça, j'ai pu le mettre au congélateur. J'ai mis également mes fouets au congélateur. Je vais récupérer ma crème et on va monter ça. Donc les 25 centilitres de crème fouettée, battue. Et une fois que ça a commencé à monter, on fait tourner 2-3 minutes. On vient rajouter nos 100 g de sucre. Et puis, cette préparation, une fois qu'elle sera terminée, on viendra la rajouter à notre préparation mascarpone qui est au frigo. Voilà, le temps de faire ça et je vous retrouve. Et on est quasiment à la fin puisqu'on va bientôt passer au montage. Allez, à tout de suite. Voilà, notre préparation est maintenant terminée. Donc, comme annoncé, je vais ajouter cette préparation. Donc, vous voyez, on n'est pas sur une chantilly, on est sur une crème bon, qui commence à tenir quand même pas mal. Hein. Mais on ne cherche pas à faire une chantilly. Sinon, on aurait plutôt privilégié le sucre glace au sucre semoule. Alors, le problème, c'est que ce temps-là, il fait super chaud. Donc, les ingrédients pour vite les travailler. Sinon, ça ne tient pas longtemps. Voilà. Et donc, on mélange ceci à notre préparation mascarpone de tout à l'heure, qui était au frais. On mélange délicatement. Pour obtenir quelque chose de très onctueux. On est presque à la fin. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On est sur un sirop, mais la confiture d'abricot, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc, tout à l'heure, je vous disais, la confiture d'abricot, si vous l'avez achetée en grande surface, il se peut que vous ayez une confiture, quelque chose d'assez solide. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez mettre l'équivalent de 2-3 cuillères à confiture. Alors, l'idée, c'est, je vous explique, c'est de venir imbiber notre financier, je cherche le mot, voilà, je l'ai retrouvé. Donc, vous voyez la quantité qu'il faut par rapport à la quantité de dessert que vous voulez faire. Donc, vous allez rajouter à votre confiture d'abricot de l'eau, tout simplement, pour liquéfier tout ça, d'accord? Et vous allez mettre ça dans votre micro-ondes ou à la casserole, à feu doux, d'accord? Jusqu'à temps que l'eau vienne bien se mélanger avec la confiture et jusqu'à temps que vous obteniez quelque chose d'assez liquide pour pouvoir venir imbiber vos financiers. Moi, la confiture maison, elle était un petit peu plus liquide, mais pas suffisamment. Donc là, j'ai mis un tout petit peu d'eau. Je vais mettre ça sur le feu dans une casserole. Et puis après, on va laisser tiédir pour venir imbiber nos petits gâteaux. Voilà, pendant ce temps-là, ce qu'on va faire aussi, on va remettre notre préparation au frigidaire. Et une dernière étape. Ah, je vous avais dit, la recette elle est un petit peu longue, mais croyez-moi, ça vaut le coup. On va faire une meringue pour venir terminer notre dessert. Donc là, comme on est sur des petites quantités, on va partir sur 120 g de sucre que vous battez dans un robot classique ou au fouet. Et on va venir y rajouter 2 jaunes d'œufs et une pincée de sel. 2 blancs d'œufs, pardon, excusez-moi. Oh là là, quel lapsus. Décidément, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Donc 2 blancs d'œufs, et non pas 2 jaunes d'œufs, hein, je rectifie, avec 120 g de sucre et une pincée de sel. Donc au robot ou au fouet, jusqu'à temps que vous obteniez une meringue qu'on va venir terminer notre dessert tout à l'heure. Voilà, je prépare donc la meringue, je m'occupe de la confiture d'abricot et puis on se retrouve pour le dressage final. Allez, à tout de suite. Voilà, dernière étape, c'était la meringue. Ici, on a notre confiture d'abricot liquéfiée, donc, que j'ai rallongée avec de l'eau. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Vous voyez, c'est quand même assez liquide. Bon, il y a quelques morceaux dans la mienne, puisque là, on est sur une confiture maison. Vous voyez. Hop. Alors, je vais vous montrer le dressage pour un, et après, vous en faites autant que vous voulez. Hein. Là, les quantités que je vous ai données, c'est à peu près pour 6 grosses verrines. D'accord? Alors. Du coup, vu la forme, je vais utiliser celle-ci. D'accord? Donc, on procède comme ceci. Donc, on vient bien imbiber le gâteau. Alors, vous n'hésitez pas à le retourner s'il faut. Il faut vraiment qu'il soit bien imbibé. Un peu le principe d'un bavarum, hein, un petit bavarum, sauf qu'on l'a fait avec un financier.
qu'on ne vient pas oublier de rhum, mais de confiture d'abricot. Alors vous pouvez le laisser autant de temps que vous le souhaitez, hein, si vous voulez laisser macérer un quart d'heure, 20 minutes, c'est pas gênant, ça ne va en rien détruire le dessert. Comme ceci, voilà. Une fois qu'il est bien imbibé, on vient le placer délicatement dans le fond de notre dessert, comme ceci. Alors vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter un peu de liquide d'abricot. Comme ça, il aura encore tout le temps pendant la réfrigération de s'imprégner de cela. Ensuite, on va venir rajouter un peu de notre préparation qu'on va appeler mascarpone chantilly, même si c'est pas de la chantilly. Ensuite, on va venir y déposer quelques mirabelles compotées. On va mettre à nouveau un peu de crème sur le dessus de nos fruits. Et enfin, on va venir mettre un peu de meringue. Alors vous ne recouvrez pas, vous mettez juste une petite pointe de meringue comme ça. Pour que ce soit joli. Alors il va y avoir un petit contraste entre la crème, la mascarpone qui est légèrement jauni, on va dire, et le blanc pur de la meringue. Alors, si vous avez chez vous, ça je vous avais déjà parlé, un petit chalumeau, on va venir apporter un petit peu de couleur à notre meringue sur le dessus. Attention, je précise, on est sur du verre. Alors, si vous, c'est pas du verre, ou même si c'est du plastique, hein, faites attention. On ne va pas approcher trop près la flamme, c'est juste pour venir colorer un petit peu notre meringue. Voilà, vous voyez, vraiment quelques instants. En début de dessert, je vous avais montré que j'avais quelques amandes effilées. C'est là où elles interviennent. Donc là, on vient parsemer notre dessert d'amandes effilées que j'ai poêlées. Donc tout simplement, hein, j'ai pris une poêle chaude sur le feu. J'ai mis mes amandes, j'ai surveillé pour qu'elles soient légèrement colorées. Hein. Vous voyez, il y a des teintes très, très différentes, mais c'est légèrement coloré. Comme ceci. Et si vous le souhaitez, vous voyez, en l'occurrence, j'ai quand même pas mal de fruits. On peut terminer avec une petite touche finale de fruits sur le dessus, comme ceci. Voilà, bah, une fois que vous avez fait ça, le dessert est maintenant terminé. Je vais vous montrer les petites photos finales. Vous avez, voyez, quelque chose de très harmonieux. Voilà, c'est d'où le nom Harmonie. Je vous ferai voir ça dans quelques instants. On va mettre ça au réfrigérateur pendant 2-3 heures. Il faut le temps que tout prenne. Donc là, si vous avez prévu de faire ce dessert pour un soir, ben, faites-le dans l'après-midi. Hein. Il faut le temps quand même que ça prenne. Et je pense que ça aura son meilleur effet. Voilà. Mais écoutez, pour moi, c'est terminé. Merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui le désirent, qui veulent avoir des explications complémentaires, n'hésitez pas, je suis dispo. Hein, vous pouvez me contacter via le Facebook, il n'y a pas de problème, ou sur YouTube, comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Je répondrai à toutes vos questions. Les vacances approchent pour moi, vacances qui vont faire un peu de bien. Alors je ne dis pas que je ne ferai pas de vidéos pendant mes vacances, mais elles seront moins programmées que d'ordinaire. Alors déjà, petite info, au week-end prochain, il n'y aura pas de vidéo, ça je peux déjà vous le dire, mais dans les vacances, il est possible que je fasse des petits spots comme ceci. Et bien à tous ceux qui prennent des vacances, je vous souhaite de bonnes vacances, à tous ceux qui reviennent, bon courage pour la reprise du travail, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, à bientôt, ciao.